Yop les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant la saison 4 avec les nouvelles armes et les nouvelles maps. Comme vous avez pu voir en introduction, j'ai claqué la nucléaire avec la Vector et je vais vous montrer évidemment toute la petite best class setup puisque c'est le but de cette vidéo. Et surtout, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi mon pote, abonne-toi, on est là pour de la nucléaire sur les nouvelles armes et tout ce qu'il faut évidemment. Et on est là pour claquer du gros gameplay. Au niveau du pass de combat, on se retrouve donc pour la Galil à partir du niveau 31 et la Vector à partir du niveau 15. Si je dis pas de bêtises, voilà la Galil qui est quand même très puissante. On fera une vidéo best class setup évidemment là-dessus. Et j'ai attaqué la Vector. Et je vous avoue que la Vector, au début, ça a été un calvaire. C'est horrible à monter parce que c'est une arme qui a une portée très limitée et en plus qui bouge énormément. Du coup, les long shots et tout ce qui est mid-fight, bah, c'est super compliqué. Et c'est une arme un peu comme la Scorpion de Call of Duty Black Ops 2. Énorme cadence de tir, ça laser au corps à corps. Mais malheureusement, il faut la monter et ça prend beaucoup de temps, malheureusement, surtout quand on est comme sur Twitch, comme on a pu faire ce matin. D'ailleurs, je vous remercie, on était plus de 700 viewers sur Twitch. Ça a été très compliqué de jouer en guerre terrestre avec cette arme parce qu'on ne trouvait pas de match en 6v6. Et du coup, bah, ça a pris du temps. Maintenant, on va parler de la Vector en niveau d'accessoires et tout ce qu'il faut mettre. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai réalisé le gameplay que vous allez voir après sur Call of Duty Warzone, parce qu'il faut vous rendre compte si l'arme est puissante ou non, mais de toute façon, vous avez vu avec le multiplayer, avec la petite bombe nucléaire. Au niveau du canon, j'ai joué avec le tout premier, d'ailleurs Apex, ça me fait quand même assez rire. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en réalité, le deuxième est quand même assez important, on va dire, la portée des dégâts, le contrôle du recul, la vitesse des balles et le silencieux. Toutefois, vous perdez de la visée accélérée et de la vitesse de déplacement, ce que je ne veux pas, et du coup, c'est ce que je veux garder avec celui-là. Donc du coup, je vais garder celui-là, et en termes de silencieux, c'est bizarre à dire, mais il faut jouer avec celui-là, le ZL R sabre qui va clairement surpasser le silencieux monolithique et qui va faire totalement toute la différence. En termes d'accessoires, on joue avec la poignée avant de mercenaire, totalement utile, donc je vous recommande fortement de jouer avec le laser tactique pour que vous puissiez viser plus vite, étant donné que je vais jouer avec le chargeur tambour de 40 cartouches, étant donné qu'elle a vraiment très peu de balles, donc faites-moi confiance, vraiment, prenez le 40, et si vous voulez vraiment jouer avec les 12 cartouches, qui peut être très très utile, parce que ça fait extrêmement mal jouer dans les petites maps, n'essayez pas de jouer avec sur Warzone, parce que c'est vraiment trop peu de balles, même si vous allez faire énormément de dégâts, ça en vaut pas la peine, et si par hasard, vraiment, t'as envie de jouer avec, bon, bah tu prends ça. Ok, tu prends ça, t'enlèves le laser tactique et tu joues avec tour de passe-passe. Mais vraiment dans l'extrême cas, d'accord? Si vous avez vraiment envie de jouer dans ce style-là, moi personnellement, je recommande plutôt cela. Ok, c'est parti. Ok, capté frérot, j'ai capté. Ok, let's go, premier kill. Elle est incroyable la variante de la... Elle est incroyable la variante de la RAM 7. Quand on sait qu'il y a quelqu'un encore à côté. Vas-y, let's go. Personne. Ok, let's go. J'en étais sûr. J'en étais sûr. On va prendre nos classes. Comme ça, on aura 9. Eh ben non, c'était pas encore fini. Il en manquait un. Oh là là, j'ai pas de bol. J'ai pas de bol, j'avais tout. J'avais tout. On a eu chaud. Ok. Parfait. Je vous cache pas qu'on a eu un peu chaud. Très chaud même. On va tout prendre, tac. Prends le capteur.
En vrai, de vrai, c'est une bonne game, hein. On est déjà à 7 kills. Ok, d'accord. Je vais vous tuer. On va très vite se casser. C'est quoi, on va se casser, on va se casser. J'ai le laissé tranquille parce qu'il est déjà avec une batteuse et tout. Ça en vaut clairement pas la peine. Vas-y, vas-y. Et on prend Fennec gros les bros. Parfait, bah voilà. Suffisait juste de demander. Revenir. Ah bah voilà. Hop là. Ça c'est fait. Ah je vous ai dit hein, franchement la Fennec au corps à corps c'est... Il suffit juste d'avoir les bons accessoires mec et c'est une dinguerie hein. Ah. D'accord. Ah et c'est à ce moment là, ok d'accord. Donc à ce moment là en fait tu peux acheter autant de drones que tu veux quoi. Ça n'a aucun sens. Bah oui c'est comme ça, drone ennemi au dessus. Ah ouais, en fait, si. J'aime pas ce nouveau. En fait, le truc, c'est que j'aime pas ce nouveau système d'avoir, comment ça s'appelle, tout ce qu'on veut au shop. Parce que voilà, suffit juste que quelqu'un reste comme un débile à côté d'un shop, il balance full drone. Pendant un court instant, je trouve ça franchement un peu lourd à la longue. Regarde, allez, drone, hop. Hop. Et je peux encore en reprendre un. Et je peux voir où ils sont en fait. Ok, d'accord. C'est un peu stupide en fait. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez. Ok, let's go. Ok, à terre. Il a eu l'autre ou pas en fait? Est-ce qu'on a 11 kills? Ouais, ok, d'accord, l'autre il est mort. Ok, donc l'autre il est en train de camper. Ah mort. Sauf qu'il y en a encore un au top. Ouais, en gros celui qui a le top a gagné quoi. On se met déjà dans la prochaine zone. Ok, encore quelqu'un d'autre top. C'est pour ça que je déteste Downtown, hein. C'est vraiment le pire endroit sur Terre. Mais vraiment. Genre, je me demande s'il n'y a pas un autre endroit qui est encore pire que celui-là. Regarde, on parie tout ce que je veux que les mecs ils sont au top en train d'attendre. Je parie tout ce que je veux. Ça va être infernal. On va attendre, il y a un sniper qui nous a vu. Ah mais c'est au top, tu vois. J'en étais sûr depuis le début qu'il y en avait un au top.
On a à l'extrême gauche. Ok. On l'a attendu, hein. Non, t'es sérieux? Oh, dommage. Oh, dommage, dommage, dommage. Ah, il m'a laser. Ah, dommage. Dommage, il m'a laser.